Bonjour les gens. Ah, s'il n'y a pas le jeu. Hop. Comment ça va ce matin? Est-ce que vous êtes réveillé? Non. F. Oh Tifa, attention, mon capi-chef, un tank arrive par la droite, vite déploye les bombardiers. Oh non, des anti-aériens, balance la purée, c'est la guerre. Le matin c'est dur, laissez-moi dormir. Comment ça va, Tifa? C'est fort ça dans mes oreilles. C'est mieux. Bon, on va reprendre là où on a fail hier. Hein. Une mission, il fallait finir en 15 jours, où j'allais finir, restait deux vieilles unités. Et j'ai fait plus de 15 jours. Oh. Blablabla. J'aurais peut-être dû mapper un bouton start. Tout la fin du tuto. Pour skip les dialogues. On a déjà vu. Là vous entendez peut-être pas, je sais pas si vous entendez, ma chaise grince, c'est horrible. Oh. Non, on est... C'était la semaine dernière ça. Quand même essayer de faire des. Faut que je chope les tours de contrôle à max pour faire un max de dégâts le plus rapidement possible. Que lui en fait faire du dégât à mort. On va faire des infanteries. Hein. Faire des infanteries. Le recon on va le bouger là. Je crois que toutes ces unités elles sont là. Ah non, il y en a peut-être ici. On va essayer d'avoir un meilleur champ de vision. Ça fait que 3 de dégâts. Hein. C'est que. Ouais, j'aurais la tour de. Tour de contrôle qui est là, j'aurais dû la prendre tout de suite. Je sais pas pourquoi j'ai patienté avant de les capturer. Bah, les montagnes. Voilà. Tu peux tirer, toi? Oh, magnifique. Comme ça avance pas, ça, ouais.
Hop, on ira prendre la tour de contrôle, la tour de com là-bas. Ça paraît correct. Ça c'est une tour de com ça. Oh je l'ai pas dégagé. Les dégâts tant qu'ils bougent vont être à portée de lance-missile. J'ai pas d'usine avec les rouges. Hein. Et attends, si, mais si, j'ai toujours fait. Il y a mon gol. C'est 14 jours, j'ai 8000. On va créer masse d'unités pour pouvoir quand même. Ensuite, c'est par là. Priorité le méga tank. Bien en dégâts. 6, c'est pas mal. Attaque ça, fort ou pas? 58, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà à eux ça. Ouais. L'autre côté. Ah, dommage. Mais je peux pas passer ce qu'il y a la montagne. Aise. Faire ça, ça détruit ça au moins. Si. Ok, qu'est-ce qu'on démonte en premier? Ah ça. On va sacrifier le notre ami Vantassin. Hop. Il attend qu'il est bientôt mort. Ah, ça c'est bien tout fort. Je rapprocherai bien Ricon quelque part. Mais... Au milieu, on va le laisser là. Je peux pas tirer déjà avec lui. Ah ouais, il fallait que je fasse le tour comme ça. Ouais, c'est pas ouf quoi. On va essayer de le rapprocher plutôt de là-bas. Ça, s'ils viennent par là. Ouais, ils sont déjà en relais quoi. Pas de soucis.
va crever. Mais vous. Eh putain, c'est vrai qu'il s'est soufflé. Wouah. Wouah, merde. Oh le bâtard. Puis ça rejoue derrière. Encore la perceuse. Oh mon lance-missile, fils de... Ouah, il a détruit mon tank, oh non. Attends, il a 3 tours de contrôle. Oh d'accord, ouais. Toi, ça commence déjà à casser les couilles, quoi. Quasi personne. Déjà. Hop. Hein? Zéro de dégâts? Mais what the fuck? Oh, puis moi je laisse ça ici, putain, mais please, non! Ah ouais, je leur fais pas de dégâts. Waouh! Ouais, d'accord, c'est génial! Quelle éclate! Ouais, trop bien de jouer pour rien. Je suis trop refait. Lui, il va me défendre. Allez, vas-y, disparaît encore. Voilà, génial. Oh, JPP, il va reprendre sa life. Oh, putain, mais... Pourquoi c'est pire que tout à l'heure, là? C'est pire que hier. Il a des méga tanks, il a des tanks M. Là, mais regarde-moi, c'est... Et lui, je peux zéro l'atteindre, il va reprendre sa life, là. Non plus. Quelle joie! Thank you.
On va laisser le méga tank là, mais il va reprendre toute sa vie. Ça dégoûte en vrai. Ok, ça c'est fait. Il y a tant qu'il a été défait. Il reste 11 jours. Comme c'est que nous. Rien. Montagne. Tac. Waouh. Et ça, ça dégage. Ah dommage. Ouais. Voilà. Ici au cas où. On va attaquer mon suicide. Ah, coucou. Il attaque pas. Putain, mais il est juste à côté. Je suis à côté, je sais qu'il est là. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Voilà. Pardon. Et un gars, il est juste par là. Et je peux que attaquer avec ça, c'est un bonheur. Ouais, les Recon, ils ne servent plus à rien.
Bon bah c'est parti pour un tour, on va se faire éclater la gueule là. Putain, on est là, on est là, je vois. Putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? Putain, mais ça me saoule quand il se blinde comme ça là. Tu peux rien faire quoi. Oh, tu sais quoi, toi capturé, on s'en bat les couilles. Voilà. Oh, je peux pas tirer avec le lance-missile. Bon, comprio. Pas tirer avec ça, c'est là. Déconne. Pas la foutre de lui, hein. On va te défoncer. Lol. Je vais me mettre là, comme ça peut-être il va vouloir défoncer le VTB. Je sais qu'il est dans la forêt, c'est ça qui dégoûte. On va refaire un tank M. Bon, on va faire un néo-tank, tiens. Allez, bourrin. On va faire un riz. À 7, à 7 contre 7, normalement, je vais faire des dégâts que lui, non? Putain, 4-4, parce que l'autre, il doit être fou, le... Il doit être full défense, là. On voit que eux, de toute façon. Voilà. Autant déjà affaiblir tout ça, voilà, comme ça, là, il attaquera pas avec ça. Ça, c'est cool. Je m'en fous s'il y en a des cachés, celles-là, elles sont à 1. Voilà. Au moins, ça, c'est fait. Là, je lui fais 0 dégâts. Hein. Ça sera encore un tour où je fais 0, là. Il y a une tour de com' ici. Ah, bonjour, bah, au revoir, mon ami. Ah, putain, mais il y a l'aéroport. J'ai pas vu l'aéroport. Ah, quel sac. Et comme ça. Et quoi, allez, j'ai envie de jouer deux fois. On va faire le relais. Comme ça, je jouerai deux fois.
Let's go. Donc. Boum. Parfait. Puis on va laisser le recon ici pour juste voir ça, parce que je vais le. Je voyais avec ça. Le recon, on va le mettre là. Bien. On va traverser là. Je peux pas tirer. Ah. Alors plutôt défoncer la DCA qui va me faire chier. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, j'ai plus du doté là. Allez, c'est reparti. Ça, ça dégage. Parfait. Lance missile, avance. Icon, lance. L'essai est bientôt mort, tu veux rester à 2 ou 1. 1, c'est parfait. Venir m'attaquer, ça. Ah, il me faudrait le VTB. J'ai plus de VTB. Dur. Quoi ça? Ah, oui, pardon. Ah, dommage. Oh, il est dans la forêt. Bon, eux aussi ils ont le pouvoir relais hein. Ah. Mon recon il va dégager, c'est dommage. Ah voilà, il se barre là, ça fait chier ça. Ah merde! Ah merde! Punaise! Mais il peut pas attaquer du coup! Ouais, toi je te vois du coup. Ciao! Parfait. Ah, pas de visu. Pas vraiment besoin de. Putain, on a plus rien là. Putain, je tombe sur personne, ils sont où là? La 9000. Enfin, un recon déjà. Vache, ils sont où? Ah, il était là. C'est pas grand chose, j'ai l'impression.
Parfait. Tellement peu à vide. Ah, au moins, toi t'es à découvert. Ah, il est là, lui. Et il reste 2 unités, c'est bon. Hey, il se cache où là? À de te cacher! Et après il va crever, c'est sûr. Prends ma tour de com, c'est pas grave. Je te vois plus. Putain, il part tout en bas, c'est sûr. Putain, mais il se sauve. Il est où? C'est la guerre, coucou Bob. Putain, mais il reste 4 jours là. On aille vite là. Quand on va, Bob? Ça se trouve, il reprend de l'énergie là. Non, non, il est encore en train de bouger. Là. Oh, ça va, ça va. On essaie de refinir cette. Enfin. Finir la mission qu'on n'a pas réussi hier. Je t'avoue que. Lui, il nous laisse pas tranquille. Il est là! C'est parti! Il voulait reprendre son énergie, le petit bâtard. De toute façon, tu vas rien faire. Ah si, tu bouges quand même. Tu viens te suicider. Et voilà! Fort bien joué. Votre bravoure et votre habileté sont égales à votre réputation. Je jure solennellement de mettre mon épée à votre service. Nous avons des généraux des 4 pays. Notre contre-offensive commence. J'ai apporté les plans du méga-tank. Nous pouvons donc le déployer dans les bases. Ah, cool. On peut utiliser cette merveille? Génial. Faites-moi voir ces plans. Si Jacques met la main sur ce bébé, c'en est fini de l'ennemi. Les choses s'améliorent. Et il doit coûter une blinde à fabriquer, par contre.
Voilà. Et d'une. Mission complete. Maverick, tu es sûr que tu veux jouer solo? Les alliés sont forts en combat relais. Non seulement je les ai acculés, mais en plus j'ai deux autocanons avec moi. Au fait, Kat, comment se comportent les nouvelles troupes? Soldats? Ils sont bêtes et méchants, comme d'habitude. Nous avons trop tiré d'énergie de la planète, elle dépérit. Ouais, comment combattre si les fruits de la victoire s'avèrent aussi vite de vie? C'est quoi le problème? On replante tout et ça repart, non? Moi qui ai débarrassé le monde de Sturm, je me retrouve les mains liées. On gâche notre armée. Ce n'est pas à moi de dire ça, mais si quelqu'un cherche à utiliser notre armée à des fins personnelles... Mais, qu'est-ce que tu as à ronchonner? Je ne te reconnais pas. Tu vas laisser filer tes souris? J'aurais mieux de les détruire en vitesse. Tu as raison. Je dois prendre les choses dans l'ordre. Zut, des conduites partout. Nous nous sommes laissés enfermer. Et ils ont, eux, ils étaient là, oh, tranquilles, calmement, et ils sont laissés fait construire comme ça des pipelines. Oh non, on est enfermés. Et sans le voir, tu sais, genre, mais qu'est-ce qu'ils font? Que faire? Une esquive par la mer ou passer en force par la terre? C'est un choix difficile. Pour gagner, nous devons détruire les trois canons à gauche. Nos troupes doivent progresser avec cet objectif en tête. Pour connaître la portée des mini-canons, tu n'as qu'à les toucher. Maintenant, la pression, la portée par la mer... Les autocanons à droite sont des unités de tir indirect, n'est-ce pas? S'ils parviennent jusqu'à nous, les choses vont devenir difficiles. Ils ne se déplacent que... Ah, sur des conduites. Ah ouais, ils peuvent se déplacer maintenant. Ouvrez une brèche et ils resteront loin. Ah ouais, c'est important. Mais si on ouvre une brèche au mauvais endroit, les autres vont s'y engouffrer. Situation épineuse, je n'y connais pas. En restant le bec ouvert qu'on va réussir. Moi je dis qu'on sort et on casse. Jacques et Grimm ont raison. Le passage en force peut être une bonne approche. Certaines infos nous feraient penser qu'il y a un laboratoire sur l'île. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais si nous pouvions le trouver... Compris, allons-y. Objectif, c'est trois mini-canons. Ils n'étaient pas à gauche? Ouais, ils sont là. De l'hélico... Ah, fucking bombardier. Et ça du coup, autocanon, ah ouais, ça se déplace là-dessus. Ça, c'est l'attaque. Ah, on peut pas voir comment ça se déplace. Il y a un port là, il y a un silo. Port de contrôle ici. Tour de com, je veux dire. Chasse en hiver. En tant que commandant en chef des forces alliées, ce laboratoire m'intéresse. Et la situation ne favorise pas l'exploration. Quelle stratégie adopter? Je dois trouver la carte du laboratoire. Jacques, qu'en penses-tu? Cela ne me dérange pas. Quelle que soit ta stratégie, je suis prêt à te suivre. Mais bon, le labo peut être n'importe où. Est-ce que toi t'attaques? Non, la barge... Quoi, toi? Voilà, c'est... ils sont nuls les bazookas en déplacement. Ok, j'ai de l'anti-aérien là. C'est mieux de laisser eux faire leur vie. Eux, ça va se déplacer.
On va essayer d'amener le lance-missile ici pour viser cette merde. Si je le mets genre là. Ici ça devrait le faire, je crois. On va détruire ça pour s'approcher de ça, parce que l'objectif c'est ces merdes. L'anti-aérien, ouais. J'aurais dû mettre le lance-missile peut-être ici. Ça fait plus de dégâts que... Ok, toi t'arrives fort. Ah mais tu peux pas passer tant que ça c'est pas débouché. Hein. Voilà. Parce qu'on vient de 44. Lui on va le laisser faire. Voilà. Ah ouais, non mais attends, lui il va arriver à, en force. Ça se déplace vite quand même. Ah merde! Ah ça j'y attendais, mais attendez pas ça. Je passe par là. Mais putain, mais on peut passer par là. Mais... Ah ouais, d'accord, ça va un peu plus vite que prévu là. Oh, fais chier, un peu dans la merde. Putain, mais j'ai même pas pensé qu'on pouvait passer par là. J'ai même pas vu tout. Je pensais que ça faisait tout le tour. Merde. Bah oui. Réfléchis, espèce de...
Ah bah lui il va prendre tellement cher. Bon bah DCA est morte. Ah ouais d'accord. Mais j'ai même pas pensé à ces enculés là. Et mon anti-aérienne là, faut que je la garde. Allons attaquer les mini-canons, rien de fou. On peut passer par là-bas aussi. Oh putain, la DCA elle est défoncée. Mais ça va trop vite. Toi déjà. Oh putain ça tue. Ah puis je suis mal en point là. Let's go. Ça va être tendu, hein, je pense. Hein, parce que lui, il arrive à tout plein. Oh putain, mais arrête d'attaquer mon tank M là. Laisse-moi tranquille un peu. Putain, mais lui, ça répare les hélicos ce truc. Mais c'est. Oh non, 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 non. C'est quoi cette merde déjà? Oh putain, mais c'est vrai que c'est ce pouvoir de chiasse là. Pire idée quoi.
dégage. Alors, son pouvoir, je crois que s'il répare ses unités de 1, je crois, et moi il m'enlève 1. Et s'il fait son super pouvoir, c'est 2. C'est 13 de dégâts, hein. C'est dégueulasse. Hein. Le problème c'est cet hélico là que j'arrive pas à battre quoi. Il reste combien? 28. Si je fais ça, ça fait combien? 13. Ah, oh, ça va avancer ça. Putain, pour sûrement. Combien il reste ça? 19 quoi. Putain, ils vont avancer là-bas, c'est naze. Ah ok, toi tu vas attaquer ça toi. Putain, mais j'arriverai jamais à l'hélico, quoi. Pissime. La lentille aérienne va prendre cher. Dommage que j'ai pas le relais pour que je puisse jouer deux fois. Ah mais merde, j'ai le... Ah oh, ça va être tendu. Déjà... Non, pas eux. Lui, là, lui. Oh, ça sert à rien. Bref. Ok, bon, ça devrait le faire, je pense. Et putain, mais son hélico? Imprenable quoi.
détruit celui-là. Ah ouh, quoi qu'ils soient à 9 là. Calmez-vous, calmez-vous. Et boum! Voilà! Des généraux de Macroland ici. Je comprends leur efficacité maintenant. Maverick, toi, t'es encore mêlé à Black Hole. Tu comptes encore te mesurer à nous? Je n'ai aucune envie de me battre contre vous. Je dois m'absenter un moment. J'ai des choses à vérifier. Et voilà, il est parti. Quel mauvais perdant. Ce Maverick n'est pas un homme ordinaire. Il a une dignité que les autres n'ont pas. Ne pensez pas que Black Hole avait aussi des généraux comme lui. Pourquoi est-ce qu'il ne combat pas sans avoir recours à l'obélisque? Se pourrait-il qu'il y ait des dissensions au sein de Black Hole? Il a parlé de choses à vérifier. Bah, pour l'instant, on avance. C'est quoi le prochain objectif? Nous avons détecté une source d'énergie loin à l'ouest, dans un immense désert. La résistance ennemie est de plus en plus forte. Nous sommes sur la bonne voie. Maverick m'intrigue, mais nous ne pouvons pas ralentir. La route est encore longue. C'est bon ça. Ils seront deux. Hop! Je reviens dans un instant.
Et re. De l'autre côté de cette mer, nous retrouverons face au désert du Kalari. Il est fort probable que nous y trouverons une base ennemie. Et avant d'y arriver, nous allons devoir affronter une forteresse maritime. Forteresse ? Elle a l'air coriace. Pensez que l'on peut gagner ? Colin, cesse de t'angoisser. Rachel a certainement pensé à un plan. Tout à fait. En fait, c'est encore secret, mais... Nous avons le projet d'ajouter de nouvelles armes à notre arsenal. Ah. De nouvelles armes ? Quel genre ? Des tanks ? Ce sont des nouveaux tanks, hein ? Arrête de brailler. Qu'est-ce qu'on irait fiche d'un tank en pleine mer ? Oh, c'est vrai. Cette fois, nous allons déployer non pas une, mais deux nouvelles unités. La première est une unité qui peut charger des unités aériennes, le porte-avions. L'autre est une unité aérienne qui peut se rendre invisible, le furtif. Invisible ? Le projet est top secret, je vous en dirai plus une fois arrivé sur place. Bien, en route. Ok, cool. Ah ouais, y a encore cette merde là. Ah, la mer, si grande, si belle. Alors Rachel, où sont ces nouvelles unités ? Un moment. Là, regardez, ce sont des porte-avions. Comme je l'ai dit pendant le briefing, ils peuvent transporter des unités aériennes. Maintenant, à propos des unités qui sont à leur bord... Rachel, les ennemis nous ont repérés. Bon, nous n'avons plus le choix. Tout le monde à son poste. Je vous donnerai des explications détaillées pendant le combat. Nous devons nous battre sur deux fronts. Les deux écrans sont donc actifs. Le front principal en bas et le combat aérien sur l'écran supérieur. Ça veut dire deux batailles en parallèle avec un général pour chaque. Vous vous souvenez de la bataille de l'Arche Noire ? C'est la même chose ici. Envoyez des avions vers le front secondaire et détruisez la forteresse. Okay. Ouais, Dieu ! Ah, le furtif, c'est ça. Ouais. Mais là, compliqué tout ça. Espoir. Rachel, tu dois m'expliquer comment utiliser ces nouvelles armes. Un peu de patience. Laisse-moi finir le manuel. Ah oui, d'accord. Alors, comment on envoie déjà... Faut pas choisir où je les envoie. Il a pas d'aérienne, lui. Il a de l'hélico quand même. Il faut que je garde de l'avion de chasse, mine de rien. Tu peux pas. Ok. Et l'hélico peut pas aller si haut, c'est vrai. Secret. C'est un porte-avions. P-avions en cours. Transporter des unités aériennes, charger l'unité à son bord à vitaille, celle-ci en munitions et essence. La procédure pour charger et déposer des unités est standard. Très bien, pas de problème de ce côté-là. Ces porte-avions sont chargés, mais pour déposer des unités déjà à bord, il faut créer une brèche dans une conduite, dans les forces qui les assiègent. On peut tirer avec. Waouh. Que sur... Autre chose, les porte-avions peuvent attaquer les unités aériennes à distance. Ils ont une portée de 3 à 8 cas, ce qui fait une unité redoutable. Je vois ça. Je fasse un trou ici quoi. Oh, c'est un cuirassé.
Pense-t-il avoir la moindre chance face à nos deux forteresses combinées? Les vermissons vont me faire mourir de rire. Je vais mettre fin à leur tourment. Alerte, unité inconnue détectée. Certes, il semblerait qu'il y ait quelques unités à mes yeux inconnues. Mais l'apparence de puissance seule ne peut suffire à nous abattre. Jugger, il est temps que les carcasses de nos ennemis aillent distraire Poséidon. Nous ne peut se mûriser à l'arche noire depuis que nous l'avons améliorée. Pas ouf de dégâts. Ah mais c'est pas moi qui gère le studio. Bon, au pire c'est pas si mal, j'avais la flemme. C'est un peu comme ça. J'ai un peu la flemme, c'est vrai que m'occuper du truc d'en haut. Ça nique les trucs aériens, non? Ah mais ça pourra pas tirer là. On va faire ça du coup. Oh, j'aurais dû avancer d'un encore. Chier! Mauvais calcul. Bâtard. Ouf. Oui, j'en vois. Ouais. Ah
Et voilà l'unité tant attendue, le furtif. Il peut attaquer n'importe quelle unité, terrestre, navale ou aérienne. Ah ouais, carrément. Tout ça, c'est le couteau suisse du champ de bataille, ton truc. Ce n'est pas fini, il y a une autre capacité unique. Il peut se rendre invisible. Et tant qu'il est invisible, il ne peut pas subir d'attaque. Il ne peut pas être attaqué. C'est un peu comme un sous-marin quand il est immergé. Tu as tout compris, Jacques. Une fois invisible, il ne peut être attaqué que par un chasseur ou un autre furtif. En gros, il est invulnérable à toutes les unités autres que ces dernières. Invulnérable ? C'est fantastique. Avec le furtif, cette guerre va se terminer en un clin d'œil. Nous n'en sommes pas loin. Il faut quand même faire attention aux chasseurs. Utiliser correctement cette unité ne va pas faire qu'une bouchée de ces forteresses. Je vais pousser un truc, il reste. Ah oui, je peux pas voir. Il reste deux bombardes là, lui il est mal en point. Il y a tellement de canons là. Faut pas que j'envoie quelqu'un d'autre en haut. Chasseur ici, de toute façon. Y'a pas d'aéroport en plus. Il est invisible. Les aider ici, ça va être chaud. Vu qu'il avait approché. Aïe aïe aïe. Furtif en moins. Ça répare, petit bâtard. Là.
quoi déjà ça? Ah, c'est le destroyer. Pas non plus que j'approche mon hélico trop près, quoi. C'est quoi? Je peux pas les envoyer, c'est vrai. Jagger, pouvoir enclenché. Ah, il sait quoi son super pouvoir lui déjà? Tous azimuts! Pas grave, les porte-avions ils sont déchargés. Ah merde. Commencer à défoncer ça là, merci. Ça fait plaisir. Oh, ce furtif est presque à court de carburant. Déjà! C'est le seul point faible du furtif, son autonomie. Il consomme 8 unités d'essence par tour lorsqu'il est invisible. N'oublie pas qu'il est possible de se ravitailler à l'aide de porte-avions. Les porte-avions sont quasi dead. Me disait qu'il y avait quand même une couille quelque part quoi. Ah ouais, 29 sur 60. Oh la vache, il va crever. Horrible avec sa perceuse. Ah non non, lui il peut défoncer les sous-marins trop facilement. 27. Bon, lui tu me sers plus à rien toi. Attends. Non, calme-toi. Le temps, regarde, lui il peut que attaquer les. On peut les envoyer en fait. Ah, je fais une connerie. Ah putain. Pourquoi à chaque fois que je fais une connerie, je dis ah putain, j'ai fait une connerie, mais genre. Je le sais, mais après que je l'ai fait. Oh putain. Parce que là, créer des unités au sol, je vois pas quoi ça va me servir. Comment en tout cas. Il y a ceux-là que j'aimerais qu'il faut que j'aille en fait.
ne meurs pas, ne meurs pas. Oh, c'est bon. Il vient de créer une unité ou pas? Ah, je sais, j'ai pas vu. Elle était pas là avant, si. Ok, là, en haut, ça détruit, en tout cas. Ça me plaise. Bravo au porte-avions. Ah mais je peux créer des porte-avions. J'avais pas pensé, ouais. Au cas où. Je vais pas aller là parce que s'il me bouffe une unité ou deux, ça va être plus loin à capturer. On va essayer de déployer ça, comme ça on va déployer les furtifs et... C'est pas utile que j'attaque ça. Boum. Ok, on a fait une brèche là. Putain, si je détruis ça, je perds quand même un tour, quoi. J'ai ravitaillé. Ok, on va les ravitailler. Ou alors, bah, je me. Ouah, j'avais pas vu la DCA. Attention, grand. Attends, j'ai combien de missiles avec ça? Sur 6, pas, on va pas non plus euh...
va se mettre là et attendre. Bah, t'as bientôt plus de... Comme ça, qu'est-ce que ça donne? C'est mon cuirassé, c'est bon là. Bon. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. La répare. Il a bougé ce bâtard. On s'en fout de. Détruis les canons! Ouais, déjà. Je suis pas invisible pourtant. Putain, on peut pas y aller. Bon, autant commencer à capturer. Hein. Toi, tu casses les couilles à toujours réparer là. Ouais. Ouais. Hop là. Il n'y a plus d'aérienne, on s'en fout. Ah, je peux faire un méga tank. Ça. Il m'a laissé mon unité tranquille. Mais casse-toi. Ok, là-haut c'est fini. Je peux me rendre. Ce serait bien qu'ils me rendent les avions, ça aurait été énorme quoi. Statue, arche noire détruite. Champ de force. Hein ? Champ de force, forteresse maritime désactivé. Un nouveau revers macabre. L'affliction de cette défaite laisse nos mini-canons nus. Ah, mais. Toute défense. Cependant, je ne me laisserai pas couvrir d'opprobre sans réagir. Non, je tarde, blablabla. Ah, mais en fait, ça faisait 1% de dégâts parce que. Regarde, là, ça fait un peu plus par exemple. Bah ouais, parce que. Ok, il fallait détruire la forteresse en haut, j'ai même pas compris. Bonjour, monsieur Zachary. Comment allez-vous? On va utiliser le relais tout de suite. Tranquille, tranquille, tranquille. Ça avance tranquillement. Ouais, on s'en fout de ça. Ouais, ça capture.
Ça, ça détruit. Ça, ça détruit. Bon, ils sont peut-être morts, ce marin. Ouais. On peut pas attaquer. Great. Ah merde, j'aurais dû. Pour faire un peu de dégâts, hein. Hop, on change. On va rejouer. Je sais pas si ça utilise un plein d'essence, ça, vu que c'est le même tour. Ok, au moins, je peux déposer ça. Combien de dégâts ça fait? Ah, je peux pas aller là? Pourquoi c'est pas ça? 112! Ça nique tout, attends. Faut pas me faire toucher si je suis en face de lui, du coup. Là, non. Non, je voulais capturer. Oh, quel fils de pute ce jeu. Il a mis clic. Comme ça, toi, tu ne casses plus les couilles. À la surface, ça sert à rien. Oh, je suis deg. Hop, c'est parti, joue. Attaque en Souma si tu veux. Ok, lui il va crever. Avion, il est pas. Ouh, quoi que, attends. Regardez-moi quel génie! Hop, porte-avion! Il reste encore pour, du coup, on peut aller là. 91. Ah là là. Je suis là, plutôt. Voilà. Hop! Sortir là du coup. Et c'est là la sortie aérienne. On peut attaquer tranquillement. Bon, ouais, ça va être ici.
Jagger pouvoir enclencher, vas-y, enclenche ta merde là. J'en ai rien à battre. Ah merde. Ouais, bon, porte-avions, il est. Voilà, bon. Il m'a calculé mon coup, quoi. Normalement, il peut pas m'atteindre sur les cailloux, sur les récifs, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Y'a pas grand chose à faire, mon ami. Ah bah, il peut aussi. Je pensais qu'il pouvait pas, normalement. J'ai un souvenir comme quoi ils peuvent. Perceuse. Casse les couilles avec cette perceuse. Il y aurait 5 points de vie. Let's go. Est-ce que l'hélico il peut carry ou quoi? Même pas. Allez, ça dégage. Nous avons réussi. Plus rien ne nous barre la route du désert du Kalari. Avec nos nouvelles unités, ça va être une vraie promenade. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas tomber dans l'excès de confiance. Pourquoi, Jess? Maintenant, Black Hole connaît l'existence de ces unités. Ils vont certainement les étudier et se mettre à en produire eux aussi. Elle a raison. Nous pouvons être sûrs que l'ennemi déploiera bientôt les mêmes unités. Mince, mais ça n'en finira jamais. C'est un cercle vicieux. C'est une autre raison d'en finir au plus vite avec Black Hole. Nous devons aller au désert du Kalari. Vite.
Hop, en vrai, 40 minutes, là. J'ai pas envie de tomber sur une mission qui va me durer 2 heures, 1 heure. 40 minutes, ça se trouve, je pourrais la finir, mais j'ai pas envie de... d'en commencer une. Je vais m'arrêter là. Arrêtez là.